monde, c'est Chrysler, j'espère que vous avez vu, ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Nostalgeek, un serveur donc classique ou vanilla comme vous voulez de World of Warcraft. On s'était donc arrêté l'épisode précédent au Bois de la Pénombre, à son compté. J'ai fait un petit fly, voilà, une transition fly pour aller à Ostrivage. J'ai enfin le niveau, enfin les endroits ici. Donc on va commencer à faire voilà les turmes farennes, il faut qu'on y retourne, qu'on aille buter de nouveau des murlocs, que ce soit pas gros l'autre folle qui est derrière. Hop, maintenant, tu vois, c'est un ténébose. Bon, elle est passée en rouge. Elle est plus en... Hein. Je crois qu'elle était tête de mort. Moi, tout vraiment, vraiment, on se faisait éclater la gueule avant. Hop. Donc, niveau 31, on a de nouveau des murlocs éclatés. Je regarde, au passage, j'ai acheté tous les chapitres. Enfin, de quoi faire tous les chapitres. Donc, pour finir ces quêtes-là, et ensuite, finir les vertes collines. Donc, on va essayer d'y faire avant la fin donc, de cet épisode. Je vais juste, hop, lancer le chrono. Et au niveau, donc, des quêtes... hop, hop, on a pas mal de trucs encore à faire. Allez, c'est parti, on commence notre petit let's play par des murlocs. Donc, faut arracher, enfin faut qu'on coupe la tête de 10 murlocs, donc ça va être fait, je pense, assez rapidement. Bizarre, ça ne doit pas donner la tête, je vais relire la quête en attendant. Croyez-vous que c'est ne soyez pas modeste. Vous y avez participé et à présent il veut que vous lui apportiez la pas trop chiant. Allez. Bah, c'est bon, ça le fait. En plus ils font mal ceux-là. Il faut que je le fracasse. Ah oui putain il se heal. Au niveau de la barre de repos, on a quand même bien monté. Hein. On a monté 4 barres en 24 heures. C'est pas non plus officiel, mais ça fait toujours ça. Ça fait toujours le taf. Allez, un petit rejet de mana, et ensuite on enchaîne. Je mène un groupe d'anciens enquêtant sur des faits étranges se produisant dans le coin. Mon cousin Autobrand a récemment battu son chien Stanley parce que l'animal avait magiquement grossi jusqu'à une taille immense et qui attaquait sauvagement quiconque l'approchait. Je pense que maman sont impliqués, nous cherchons. Deux de mes compagnes Kay et Kinan sont partis en direction de la ferme. Sur la terre d'Arnati, ils ne sont toujours pas en... C'est là. Alors... Je sais pas si on a l'âme de combattre plusieurs mobs à la fois. Je ne suis pas apporté. C'est tendu. On va essayer de garder le marteau de la justice s'il fuit. On l'a torché. Bien, au final, on n'a pas eu besoin d'utiliser le marteau de la justice, mais je pense qu'on en aura besoin. Oh.
Zerg, l'autre il est pas gros derrière. Allez, faut que je le tue là. Nickel. C'est mon portable que vous entendez derrière, hein. Vous inquiétez pas, le tutu. Ouais. Nous en donne pas tout le temps. Ta gueule, Dudu. C'est bon qu'on a le fly pour y aller, je viens de regarder où c'est en fait la ferme en même temps. Ferme de Corsac, c'est carrément en fait si je vous situe, je regarde. Donc c'est là-dedans et c'est vers là. C'est ici là. Heureusement qu'on a le fly côté refuge de la lumière. Enfin le ouais ça refuse la lumière. Sinon ça aurait pris toute notre vie. Je ne suis pas apporté. Ça n'est pas encore utilisé. Bah si je crois qu'on a 6 de quêtes aussi à faire au palin. C'est quoi ça comme enchantement? Ah, vous apprend qu'on fait un plus un bonus de plus 2 en pêche. Ah, c'est cool ça. Rassé, l'hérogène. On va regarder le reste. Un cap pour frère leur rapporter. Je confesse rien pour ma fameuse. Pour ma fameuse cap pour frère d'utile célébré dans le monde entier. Et qui fait un défi de parcourir dans le monde pour trouver les meilleurs, la meilleure. Ah ouais, il faut que des hommes des collines, il faudra que je demande à mon ouais, un meilleur rôle qui est travers du cœur de le faire. On fera à la limite les longs des montagnes du passage. Si on peut, on ira faire aussi tout ce qui est détruction de syndicat. Il y a pas mal à faire. Après, si on... On va voir les niveaux qu'ils ont, mais je crois que c'est au niveau 35, tout comme ça, on va voir. On va voir s'ils sont pas trop au niveau les... Bah putain, fils de... Ça va être tendu un peu, hein. Ouais. Hop, au revoir. De le faire comme ça. Je vais pas utiliser la position des mains, mais il me laisse pas le choix là, faut l'enfoirer. Là, tu voudrais pas le tuer tout hasard là. Donc
Avant de repartir, faites-moi bien penser à racheter des jus de melon. Ah, vous pouvez pas me le faire penser, mais dans les commentaires, vous pouvez le mettre le nombre de fois où j'ai oublié de mettre des jus de melon. Hein. Enfin, d'acheter comme Morogène en manoir. Ça, si, il pourrait être pas mal pour tout à l'heure. C'est pour se faire, ça régène un peu plus rapidement le mana. Ah, ça repop. Et ben, allez. Hein. On va faire des pop. Allez, petit. Je dois m'accrocher. Elle a presque fini. Je ne suis pas à portée. Espagnol. Ah, c'est pas mal ça. Pour les chasseurs. C'est tendu la chose. Là, c'est passé. Ouf. Et mec, tout à l'heure, vous voyez pas qu'il y a des assassins ténébreux là, non? Mec, ils ont rien à foutre. Je peux vous aider. De toute façon, je rappelle le but du let's play, c'est de monter jusqu'au niveau 60, donc tous les moyens sont bons pour pouvoir IP. Salutations. Allez, maintenant. La journée soit bonne. Sur les nagas. Ah, c'est juste à côté. Ce montant, ça, je me disais que le haut commandement de l'Alliance commence à s'inquiéter du problème causé par la persécution. L'affectation pour quiconque me montrera. Se montrera juste quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas m'occuper des nagas qui savent. Ou bien sûr, disperser une querelle d'ivrogne ou pas. Ou elle peut un clochard et mec. C'est tout pour moi. D'accord. Allez. Je ne suis pas à ah, l'assaut. Il va jouer rien ça, c'est bien. Donc je crois que les bros tapent très fort. C'est ça que je vais peut-être pas ramasser en foire. Putain, arrêtez de fuir. Ça doit pas être trop difficile hein, vu comme ils sont pas oufissime résistants. Non mais comme ils sont pas résistants, ça doit pas être pas trop dur. Hop. Faire celle-ci. Du coup, on fera ces trois-là. Ensuite, on prendra le fly pour aller au Tadarati. On descendra à Ménéthil. Et ça en 40 minutes. Ah, j'ai oublié de prendre le jus de melon. On le fera là, en rendant la quête. Faut bien que j'y pense une fois. Merci, hop. Je n'ai pas encore utilisé.
là ils sont pas non plus trop difficiles à tuer. Hein. Histoire sur les nagas, enfin petite parenthèse, il faut savoir que les nagas en fait c'est tout simplement c'était tout simplement avant des elfes de la nuit hein. Parce qu'ils ont eu ils ont souffert l'explosion du ils ont souffert de l'explosion du puits de lune et je crois que c'est ça si je dis pas de musique ou de l'arbre au monde je sais plus hop, du coup ils ont été irradiés en fait. Du coup ils ont été irradiés, ils sont on va dire un peu mutés et ils sont partis en fait simplement se foutre sous l'eau. Donc en fait sur les dernières extensions, si je dis pas de bêtises, il y a possibilité d'aller ici, enfin d'aller un peu partout. Et vous avez justement des villes et je crois une instance avec ces fameux nagas. D'ailleurs sur Warcraft 3 on le voit en Warcraft 3 for the Frozen Throne, on a une cinématique avec l'archère qui rencontre Dame Venji ou Dame je sais plus quoi, qui est justement une naga, donc qui lui dit oui, avant on était des elfes de la nuit, à cause de l'exposition puis l'exposition au A, l'explosion du puits de lune, on s'est transformé, voilà, tout simplement. C'est pour ça que Ashara d'ailleurs est des fois sur des statues avec une queue de reptile. Il faut qu'on retape les gros un peu là. Je ne suis pas attendu. Et vous avez aussi des nagas. En fait, les nagas. Attendez, j'ai un instant. J'ai l'impression qu'ils sont surtout en fait axés au centre ici tout le long là. Mais à toute base, ils sont derrière d'Ashara, donc hop, c'est-à-dire juste ici. Cadeau d'Ashara. Enfin non, Ashara, pardon. Voilà. Je ne suis pas apporté. Viens là. Putain, il fuit l'enfoiré, il a peur. Alors, faut comme les commandos, comme les fusils marins, tu sais, à l'assaut. Faudra qu'on ressorte pour Eugène. Hein. Nickel. Ah, on va faire ça de la du double XP. De monstres, donc ça va repasser en standard, c'est ça qui va être assez dommage. Et je pense que d'ici à ce qu'on ait tué donc tous les nagas déjà, on sera sûrement vers ici là 3 6 7 8 8e barre. Après faut qu'on tue les lions, donc on sera sûrement à la 10e barre. Voilà, l'idée je pense que c'est d'essayer de ouais, à mon avis après avoir tué tout le monde on sera facilement à la moitié. Allez, petit épée, petit heal. C'est trop loin.
s'en prendre à lui d'abord, en gros. Au gros monsieur. Je ne suis pas à portée. Je sais juste combien j'ai gagné, hein. points. Ah oui, quand même, on perd quand même parce que ouais, parce que 200 points, 6 XP en moins. Je dois m'approcher. Ah, Papanet qui est connecté, justement c'était Grisant, vous savez, Papanet et Grisant, si vous voulez, voilà. Papanet, en fait, c'est avec Grisant, c'est un couple donc, de joueurs. Papanet étant le garçon et Grisant étant la femme. Non, l'homme et la femme. Dans l'ordre que je viens de vous le dire. Et du coup, c'est très sympathique parce que Grisant, on avait fait la prison, je crois, avec. En tout cas, on avait fait ce qui est sûr. On avait... Non, c'est avec Piki qu'on avait fait la prison. Donc, Grisant, on avait fait notre premier mortemine. Nos deux mortemines dedans. Papanet, on a déjà fait plusieurs donjons ensemble. Aussi, enfin, c'est vraiment un couple sympathique. Puis ils montent quand même assez bien leur niveau. Grisant 38-39, Papanet et 40. Ils sont toujours de l'avance. Ah, pour manger ça au passage, ça rapporte que 200, mais c'est toujours ça. Hop, on va tout récupérer. Ouais. C'est quand même pas mal de pages, hein. Je regarde 28-8-44. Buter les plus gros, ce qui est les plus costauds en fait, on a l'air plus rapide à tuer, j'ai l'impression. Je sais pas comment ils font pour se reproduire, parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir de sexe, ou alors le sexe de traîner de traîner sous le sous le bas. Sur Warcraft, ils font très très mal cela. Parfait, plus besoin de les tuer ceux-là, les gros c'est fini. Dernière, et ce sera bon. Un deux après celle-là. Je ne suis pas à portée. Civil. Je dois m'approcher. J'ai fait le con, j'avais pensé ailleurs, j'ai pas vu qu'il est pas rogène. Compliqué là. Bon, quoi que. Allez, tu l'as.
on sort d'ici. Ça repop l'émotion. Ouais, ça repop. Bon. J'essaie d'esquiver les combats. Je suis quand même dessus jusqu'au bout du monde. Et au final, je me suis trompé, je pensais qu'on allait arriver là, oui, sinon le Big Spur serait arrivé ici. À la 8ème barre, mais c'est pas le cas, du coup, c'est début de la 7ème. On devrait passer à la fin de la 7ème, là, passer à la 8ème si possible. Salutations. On se voit plus tard. Nouvelle fixation. Ah oui, d'accord, Major Samuelson. On va aller faire les restes des... enfin les autres quêtes, du coup. Alors, même si on n'a pas mis de confirmer qu'il avait été engagé par le... des coins sur le promontoire de Sephara et l'attaque de au nord-ouest, à nord et à l'ouest de Moulin de Taren, occupé par la Horde. D'accord, bon, on va y aller. Puis ça, si on croise des petits loups à la con à tuer, on les tuera. Tranquille, hein. Il semblait qu'il y avait du monde dans ce tour avant. Ça a défoncé par un autre joueur. Oh, cristalline. Rouler la cannelle invoquée. Ouais, là, du coup, vous êtes au camp, un corps deux. Pas trop s'approcher parce que les nécrogardes, là, ils sont pas très commodes. Ouais, tête de mort. Moulin de Taren, Ostrivage, Autobahn, de route Fordrain. Montagne Atarak, Via Atarak. Je crois que c'est là qu'il y en avait. Au nord et à l'ouest. On va aller voir. On va aller leur rendre une petite visite. Je pense qu'ici il doit y avoir le problème du... Il doit y avoir le problème des animaux. Je disais, j'étais rien en bas ce qu'il disait comme connerie. C'est pour ça que j'avais bugué. Ouais, c'est là-haut. Parfait. Ouais, en fait, c'est l'équivalent des défis, mais version ouais, syndicat. Ça s'appelle syndicat cette fois-ci. C'est le même principe que les défis. Je ne suis pas à portée. Je ne peux pas encore le lancer. Ouais,
Oh putain, on a oublié de prendre la... De prendre du mana. Vous pouvez avoir de quoi regénérer le mana. Bon, ça va être à l'ancienne. Hein. Ça heal que dalle. Pour voir ce que vous préconisez, il me semble en raid, je suis pas sûr, mais du coup, en tout cas du côté chami, donc chaman, c'est salve de guérison mineure, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est une race que Fine Class, par exemple, que j'avais beaucoup joué avant. Mais là, on a que des détrousseurs, c'est le souci. Et des sorciers, c'est pas les sorciers que j'ai besoin. Ah, les larrons, ils sont là-haut. Tu vas venir jusqu'à avec moi jusqu'au bout. Voilà. Parchemin de force, on va se le mettre. On va profiter pour vous enchanter la connerie qu'il m'a donnée. Hein. Je veux pas. Viscératrice, bah désolé, viscératrice, tu finis avec moi, vous savez, toute tordue et dégueulasse. Alors. La question c'est comment on va s'y prendre. Parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Ils sont assez nombreux, ils sont paquets. Et ça c'est pas bon. Ah ouais, ils sont niveau 34 en plus. Excusez-moi mademoiselle. Ah, et ton ami qui est venu avec moi, avec toi, pas de soucis. Je vais le tuer aussi. Ça fait mal. Ouais, suicide. Je crois que j'allais pas mourir. J'allais dire putain, je meurs pas. Coup de chance. Ouais, il faut vraiment mal là, ceux-là de syndic. Et pourtant, la quête est jaune. En fait, faut pas que je pense à faire le dispel parce que je crois que le dispel... J'ai pas fait gaffe parce que c'était comme type de mana, mais je crois... Enfin, de poison, pardon. Et je crois que ça me ralentit dans les dégâts. Ça fait... En plus de faire des dégâts, ça me fait... Enfin, ça me ralentit. Je crois que ça fait pas mal de trucs en négatif.